Et nous ouvrons ce journal avec cette agression qui a eu lieu hier soir à Laeken à la Cité Modèle. Un pompier, alors qu'il était en pleine intervention, s'est fait violemment agresser. Nous allons retrouver Alice Vandenbroek. Bonsoir Alice. Les pompiers dénoncent un climat d'insécurité. Est-ce que vous avez des informations supplémentaires ? Eh bien oui, comme vous l'avez dit Adeline, une enquête a été ouverte suite à une agression d'un pompier hier soir à la Cité Modèle. Le pompier était en pleine intervention, il était en train d'éteindre un incendie dans une benne. Et donc ce n'est pas évidemment le premier cas d'agression, puisque c'est déjà arrivé par exemple au Nouvel An, avec les incidents du Nouvel An. Je suis avec Walter Derieux, le porte-parole des pompiers de Bruxelles. Quelle est la situation des agressions envers les pompiers à Bruxelles aujourd'hui? Donc, heureusement, les agressions physiques sont assez rares, mais les agressions verbales, c'est le lot de tous les jours. Hein. Donc, tous les jours, il y a des agressions verbales. Et est-ce que c'était un peu la goutte d'eau, cet événement hier, ou c'est devenu une limite normale? Ce n'est pas la goutte d'eau, mais il faudra peut-être penser à faire un signal fort pour dire jusqu'ici, pas plus loin, et appliquer les peines prévues à cet effet. Alors, les policiers ont accompagné les pompiers hier soir durant leur intervention. Est-ce que c'est une situation normale de faire appel à la police, les pompiers, la police, je voulais dire? Donc, à chaque intervention sur la voie publique, on prévient automatiquement la police qui, en fonction de la disponibilité de leur patrouille, envoie quelqu'un sur place ou pas. S'il y a vraiment un gros incident, ils n'hésitent pas à venir prêter main forte. Merci beaucoup. Et donc, pour rappel, il y a une enquête qui a été ouverte et la personne agressée, le pompier agressé hier soir, est en incapacité de travail jusqu'à la fin du mois. La personne qui a agressé le pompier a été interpellée de suite par la police. Merci Alice pour ces informations. Merci aussi à votre invité.